Salut à toutes et à tous, c'est unkedamatest.com. Aujourd'hui, juste une petite vidéo que je fais histoire de faire une mise au point par rapport au walk. Je l'ai déjà fait une fois il y a quand même un petit bout de temps. Et maintenant que j'ai fini le walk de MGS4, j'ai bien envie de refaire une petite mise au point au sujet de certains walks. Donc, j'ai enfin terminé Poppy Metal Gear Solid. Donc, ça, j'ai mis à peu près 1 an et demi, presque 2 ans, pour faire Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 4. Pour ce qui est de Metal Gear Solid 5, allez voir la dernière partie du walk de MGS4. Je dis tout dedans et j'ai pas envie de me répéter tout de suite. Par rapport au walk, donc Fallout New Vegas c'est toujours en pause, en tout cas aux dernières nouvelles. Je vais arrêter les walks de Lost in Blue et de Yu-Gi-Oh! GX, pour la simple et bonne raison que pour une raison qui m'est complètement inconnue, mes sauvegardes ont été effacées, et ça me dégoûte de devoir tout recommencer. Donc, j'arrête définitivement les walks de Yu-Gi-Oh! GX Spirit Color et de Lost in Blue. Le walk de Resident Evil 6 continue, donc on a enregistré pas mal de parties avec Dark. Vous avez pu voir justement récemment la vidéo des Ninja Javos qui correspond à la partie 26, sachant que la dernière partie mise en ligne, je crois que c'est la 20 ou la 21. Donc je vais aller directement histoire de pas vous dire de bêtises. Donc la dernière vidéo qui a été mise en ligne de Resident Evil 6, c'est voilà, c'est la partie 21. Donc pour savoir que c'est au moins enregistré jusqu'à la partie 26 au maximum, enfin au minimum, pour vous dire qu'il me reste encore pas mal de trucs à uploader. Et maintenant, je vais vous parler vite fait de la prochaine épopée, donc qui sera une courte épopée. J'ai laissé un petit indice à la fin de la dernière vidéo de MGS4, donc cet indice, je vous redirige encore une fois vers la vidéo de MGS4 pour aller la voir. J'ai pas envie de remettre les indices partout. Et ce ne sera pas une épopée Tomb Raider. Je vous le dis tout de suite, et je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'ai dit que j'allais faire une épopée Tomb Raider, je sais plus, c'était il y a longtemps, je crois que c'était au moins 1 an. Et ben en fait, j'étais en train de me faire un petit marathon Tomb Raider, c'est-à-dire que ben, j'ai pris Tomb Raider 1, une fois que j'ai terminé le 1, j'ai le 2, enfin, j'étais en train de faire une épopée, mais sans l'enregistrer. Le 1, je l'ai fini. Le 2, je l'ai fini. Le problème vient du 3. Parce que Tomb Raider 3, à mon sens, a une difficulté juste inhumaine. Faut pas dire que je suis un noob des Tomb Raider, j'ai quand même réussi à terminer le 1 et le 2. C'est pas comme si le genre de jeu m'était inconnu. C'est pas comme si je ne savais pas y jouer. Parce que pour terminer un Tomb Raider, faut quand même déjà de base pas mal s'accrocher. C'est pas des jeux faciles. Mais là, le 3, je n'y arrive pas. Je vous jure que je meurs toutes les 5 minutes. Et le pire, c'est que le nombre de sauvegardes est largement limité. Plus limité que dans Tomb Raider 1 ou 2. Dans le 1, les cristaux de sauvegarde, on les trouvait de temps en temps. On avait le choix de les utiliser. Mais à des endroits précis, c'était comme des checkpoints qu'on choisissait d'activer ou pas, d'une certaine manière. Dans le 2, les sauvegardes étaient complètement libres. On sauvegardait où on voulait, quand on voulait, et pour autant de fois qu'on voulait. Et pour le 3, il faut trouver les cristaux de sauvegarde et décider quand les activer. Et le problème, c'est que moi, quand on me laisse sauvegarder avec un nombre seulement limité aux endroits où je veux, j'ai du mal. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez le droit qu'à, je crois, 3 cristaux de sauvegarde maximum sur vous. Pour les trouver, il faut s'accrocher, parce qu'ils sont pas non plus faciles à trouver, et que 3 sauvegardes maximum en stock. Et je vous jure que ça déjà, moi mentalement ça me bloque, mais en plus même le jeu en lui-même est hyper difficile. C'est-à-dire, c'est rien que le fait d'avoir ajouté le poison dans ce jeu, mais c'est une abomination le poison. Je veux dire, vous voyez dans les anciens Tomb Raider, lorsque je prenais des dégâts, je prenais des dégâts, je me soignais, point barre. Mais lorsque vous êtes empoisonné dans Tomb Raider 3, votre jauge de vie diminue toute seule. Il ne s'arrête jamais, ou du moins ne s'arrête que lorsque vous utilisez un kit de soins. En sachant que vous avez 15 milliards d'ennemis qui vous empoisonnent dans ce jeu, et vous avez jamais de vie en fait. Vous avez jamais de vie, vous avez jamais de kit de soins sur vous. Non, moi j'y arrive pas. Franchement, Tomb Raider 3 me bloque. Je fais un blocage sur ce jeu. Et pourtant, j'adore la série des Tomb Raider. Mais là, le 3, je n'y arrive pas. Et le truc, c'est que j'ai pas envie de faire Tomb Raider 1, normalement, sans trop de difficultés, je vais crever à certains moments, ça c'est clair, parce que c'est quand même facile de mourir dans un Tomb Raider. Pareil dans Tomb Raider 2, c'est la même chose, quoique même je trouve que le 2 est quand même déjà un petit peu plus difficile que le 1 sur certains passages. Mais après, si je me retrouve sur le 3, mais je vous jure que ça va être juste le festival des fails. Et j'ai pas envie de faire une épopée où un épisode sera un festival de fails. Surtout que même dans mes souvenirs, Tomb Raider 4 est quasiment du même niveau que le 3. Même si je peux sauvegarder quand je veux. Mais donc voilà, j'ai pas envie de faire une épopée Tomb Raider pour me retrouver bloqué sur le troisième épisode. Franchement, ça me dégoûte, parce que faire l'épopée Tomb Raider, je voulais vraiment. Mais bon, bah tant pis, je vais pas pouvoir. Et donc vous inquiétez pas, j'avais quand même d'autres idées d'épopée en tête. J'ai même plein d'idées d'épopée en tête, enfin plein.
au moins deux, donc celle que je vais faire prochainement et une autre après. Donc vous inquiétez pas, j'ai laissé mon petit indice, c'est déjà décidé, vous pourrez pas me faire changer d'avis, ça c'est clair, parce que depuis le temps que j'attends de faire cette épopée, croyez-moi que rien ne m'arrêtera. Sauf peut-être mon PC qui explose. Et espérons que ça n'arrive pas. Mais donc vous inquiétez pas, la prochaine épopée arrivera, mais par contre voilà, je vous ai expliqué pourquoi est-ce que ce ne sera pas l'épopée Tomb Raider, même si je crève d'envie de le faire. Mais j'ai vraiment pas envie de rester bloqué sur le 3, de faire une épopée où je meurs, mais... Non, en fait c'est un festival de fail, vous voyez à partir de Resident Evil 6 où Dark il arrêtait pas de se faire écraser par un tank. Bah imaginez ça mais sur Tomb Raider. Enfin sur Tomb Raider 3 plutôt. Voilà. Donc franchement ça me désole, j'avais vraiment envie de le faire, mais j'ai pas envie de me retrouver bloqué comme un con sur un épisode. Donc voilà, donc j'espère que vous m'avez bien compris. Si jamais vous avez besoin de. Si vous avez des questions à poser ou besoin de plus de précision, choses comme ça, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires, je suis ouvert à la discussion. Et donc voilà, donc j'espère que vous suivrez mes futures vidéos, la future épopée, tout ci, tout ça. N'hésitez pas à passer dans les liens qui sont en description de la vidéo, qui mène au site au forum ainsi qu'à la chaîne YouTube à ma test. Et le lien de mon Facebook. Il y a maintenant aussi les liens des chaînes Makinima aussi, parce que maintenant je suis chez Makinima. Et voilà, c'est tout. Donc bah écoutez, je vous dis salut!